The débrief, le débrief du Grand Prix de Qatar ce soir, qui s'est déroulé ce week-end. Non, pas le Grand Prix. Oh, Angel, 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 non, non, pas le Grand Prix de Qatar, le Grand le Prix du, du du Qatar. Du Qatar. Si je reprends les dires de Julien Febraud, je dirais même le Grand Prix du 4 quarts. Ah, ou le Grand Prix du Caca, comme vous le voulez, hein euh, soit, 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 bon... Comme vous voulez. Et on a toujours un petit truc un peu sympa, c'est notre cher Toto bras dans le plâtre qui nous pointe du doigt. Salut mon Toto En fait, il nous pointe du doigt en disant c'est eux qu'il faut regarder. Voilà. Mais de toute façon, ça sera notre mascotte jusqu'à la fin de la saison. C'est ça. En fait, Toto nous a fait de la pub ce soir, il a bien raison. Bon, comment vous allez les amis Eh ben, moi ça va bien, j'espère que vous aussi. Et bonsoir le chat, j'espère que ça fait... Ça, Angel, fait ça fait plaisir de nous retrouver plaisir. et puis que. Bah, que, que ah ouais, une bonne de te ensemble. retrouver, ça nous fait plaisir. Donc, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas du, du 30 secondes on et du 30 secondes off tout le temps. Hein. Le patron a une connexion bien stable qui va, qui va nous permettre de tenir surtout sur tout le live. Comment ça va, Linkin Ça va nickel. Hein. Euh, on... Toujours content d'être euh, sur ce débrief parce que c'est là qu'on peut envoyer entre guillemets les. C'est gentil. gentil. Et, les... ah oui. et, en tout cas, et en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout la semaine dernière, malgré le décalage. Voilà. Euh... <laughs> bon. C'était pas, évi... pas évident, mais vous avez tenu. Et c'est cool pour, pour Val, pour Linkin et pour Louis qui se sont donné du mal pour vous proposer un live la semaine dernière. Vous, ouais. allez, vous, allez, vous allez voir, ils vont finir par y arriver. C'est juste des petits points techniques de pas grand chose qui, qui vont se résoudre. Et puis euh, je vous verrez, ça va très bien se passer. Ouais. En fait, on est on est surtout désolé et dégoûté de la semaine dernière parce que oh, on avait un super fond mais c'est la forme qui nous a niqué le tout. Donc euh, mais ce soir, ça devrait bien se passer. Donc du coup, sommaire de ce soir, ça c'est très bien, Vous voyez transition parfaite, le sommaire de ce soir, on va bien évidemment parler de l'annonce de la semaine avec l'arrivée de Guan Yu jo en Formule 1 euh, dans l'écurie Alfa Romeo, il n'y a donc plus de baquets de disponibles euh, ce, en formulant en 2022, on en reparlera. Euh, ensuite, on va évidemment revenir sur le week-end qatari et notamment sur les problèmes d'Eloïse arrière rencontrés par Red Bull. On parlera aussi des places de pénalité euh, de Bottas et de Verstappen sur la grille. Je vais vous expliquer surtout la différence entre le simple drapeau jaune et le double drapeau jaune parce que j'ai l'impression que dans l'esprit, ça n'a pas été tout à fait compris de tout le monde. Évidemment, on reviendra sur la course euh, du Grand Prix du Qatar et on se posera la question, messieurs, de est-ce que ce circuit vaut vraiment la peine de le revoir pour 10 ans à partir de 2023 D'accord Ouais. Et puis en, et puis en fin d'émission, vous le savez, les classements, le Driver of the Day. Et puis, bah, une fois qu'on aura dit tout ça, je pense qu'on aura dit le principal sur ce Grand Prix. D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite la note. LinkedIn, tu me demandais euh, dimanche la note attribuée par les abonnés de canal pour ce Grand Prix. Elle est de 13,3 sur 20, cette note. On en parle à la fin, d'accord Alors, je me permets Alors... juste une petite note euh, rapide. Euh, effectivement, j'ai mis l'image de Lewis Hamilton euh, sur le, la, le fond de, de base du de, débrief, parce qu'il euh, a osé mettre en avant... Euh, la, la la communauté LGBT euh, là-bas au Qatar euh, on peut dire que Lewis est clairement le messager pour les différentes causes euh, qui qui s'avisent dans le monde. On va finir par l'appeler itinériste hein. d'ailleurs, d'ailleurs, sachez aussi <coughs> qu'il gardera ce casque pour Jeddah et pour euh, Abu Dhabi également. Il l'a annoncé sur Twitter Lewis Hamilton. Voilà. Mais on Une pourra en personne. parler si vous voulez. On, on pourra en parler, si vous voulez, hein, au cours du débrief, notamment avant les essais, parce qu'il a présenté son casque avant les essais libres, et on en reparlera. Voilà. Affirmatif. En tout cas, bienvenue à vous tous, ça fait plaisir de tous vous retrouver, notamment les capitaines Néné, les roms, les gilles de maison, qui, il y a une semaine, euh, <laughs> ont été pas très bien servis à cause du, du débrief de la semaine dernière, mais euh, voilà. Mais ok, Rome, je vais arrêter de m'excuser et on va démarrer. T'as bien raison. C'est parti pour Allez, The débrief. Épisode numéro 16, messieurs. Donc, ce week-end, nous étions au Grand Prix du Qatar. Circuit inédit. La Formule 1, euh, c'est d'ailleurs, je crois, le 70e tracé qu'emprunte la Formule 1 dans son histoire, il me semble. Euh, à vérifier le chiffre, mais c'était pas très loin d'être d'être ce chiffre-là, il me semble. Hein. Si vous avez le chiffre dans le chat, d'ailleurs, donnez-le-moi. Et vous le savez, comme d'habitude, pour chaque débrief, on commence toujours par un tour du Qatar. Alors, vous connaissez surtout ce circuit parce qu'il était en MotoGP ce circuit du Qatar. Tout à fait. Depuis deux, depuis 2004, et c'est la première fois qu'il accueille la Formule 1 en 2021. Pas de Grand Prix du Qatar en 2022, puisqu'il y aura le, la Coupe du Monde. D'ailleurs, vous avez vu Gianni Infantino s'afficher avec Jean Todd, le président de la FIA, sur la grille de départ dimanche. Donc pas de Grand Prix en 2022, mais vous savez qu'il a signé un, un contrat de 10 ans à partir de 2023. Donc pour 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 et 2032. Voilà. Donc... Euh voilà, et ça c'est la statistique après dont on parlera en course. Captain Néné, copie-la s'il te plaît, Captain Néné, et on en reparle tout à l'heure, au moment de Alors, débriefer la... Je, course. je sais pas, vous, moi ce Grand Prix, quand je l'ai vu, euh, j'avais l'impression de me retrouver à Bahreïn. Non, quand t'as vu la piste, peut-être le tracé de la piste. Bah euh, ouais, les conditions à tomber de la nuit, euh, ce genre de trucs. Ah, mais bien sûr ah, mais bien sûr, c'était un remake un remake de Bahreïn en fait. Oh, mais le... c'était de quoi Je crois que c'était général hein, de toute façon. Salut Octavest. Moi ouais, j'avais vraiment euh... l'impression de déjà vu en fait, hein. hormis le Alors, fait qu'il était en, en MotoGP. Alors, non, Rome, c'est pas un tour du Qatar en moto, ce sera un tour du Qatar à 4 roues. D'ailleurs, Angel, si on peut le passer, ce tour du Allez, Qatar, s'il te plaît. C'est parti, on y va. Et c'est moi qui vais vous le commenter. Et c'est on remercie Louis qui nous a fait ce tour du Qatar. Dernier virage donc du circuit, c'est le virage numéro 16. Hein. Souvenez-vous, il y avait un track limite à cet endroit. Euh, on en reparlera des track limites d'ailleurs. Et c'est une Toro Rosso qui vous emmène sur cette longue ligne droite, 1 km. Cette longue ligne droite sur un circuit de 5 km 3. Premier virage. Alors là, Louis le passe en troisième, mais certains pilotes le passaient en quatrième vitesse seulement. Hein. Là, deuxième virage. En fait, le Grand Prix du Qatar, c'est un circuit où il vous faut du rythme tout au long du tour. Là, troisième virage ici. Et puis là, c'est un secteur assez difficile. Puisque là, Louis, il a loupé le point de corde. Il fallait aller au point de corde. Et là, il va au point de corde. Et là, le numéro 6, c'est le virage le plus lent du circuit. Il passait à peine à 100 km/h. C'était le virage le plus lent. Il y a 7 virages au-dessus de 100 au Qatar. Hein. Ensuite, des sections un petit peu plus. Euh, voilà, le freinage ici du numéro 7. Qui donne ensuite sur un enchaînement avec le 8 ici. Puis le 9. Virage à droite, virage numéro 10 ici, à peu près dans les 120 km/h, on accélère. Et puis là, c'est une petite ligne droite et qui va donner sur l'un des plus beaux virages de circuit. C'est le triple droit, messieurs. Avec euh, ça, passe à fond. Hein. Le premier, le deuxième, léger lâchement de la pédale d'accélérateur. Le troisième, ça passe à fond. Et puis ensuite, virage numéro 15 ici. Là où Gasly a abîmé sa voiture en fin de qualification en Q3. Et puis le dernier virage. Alors d'ailleurs, vous savez qu'on a remodelé la sortie des stands. L'entrée des stands, on rentrait au niveau du virage 16. Habituellement, en moto, on rentre à cet endroit. Vous l'avez vu à votre droite. Et voilà. C'est la fin d'un tour au Qatar. On rappelle d'ailleurs que le record de la piste, il appartient à Lewis Hamilton. C'est son temps de Q3. Hein, puisque, voilà. Alors comment vous l'avez trouvé visuellement comment vous l'avez trouvé ce circuit du Qatar parce que bon bah, on le connaissait déjà en moto Angel tu l'as pratiqué en jouant à moto GP20 ouais. déjà mm -hmm. notamment avec les, les monocyclettes de moto 3 euh, moi, Alors... moi je t'ai dit hein, mon, mon opinion sur ce, sur ce circuit j'ai eu l'impression de retrouver Bahreïn après je peux difficilement me prononcer en fait, sur ce tracé hormis que visiblement les... il fallait pas mettre une roue dehors parce que les vibreurs c'était plus des vibreurs c'était carrément des euh, dos d'âne comme on voit sur la route hein, les gros carrés qu'ils ont mis au milieu de la route qui cassent la bagnole en deux hein, vu le nombre de voitures qui ont laissé des plumes là-bas dedans euh, mmh. mais, euh, mais ça doit être intéressant à piloter euh, il y est pas sur F1 pas... 2021 je sais pas ils l'ont rajouté ou pas non il n'y sera pas sur F1 2021 il n'était pas prévu puisque c tu sais ça fait partie des circuits qui ont été rajoutés pour remplacer ouais. par exemple l'Australie par contre sur F1 2023 logiquement il y sera ouais est-ce qu'il sera voilà. dans ma vidéo? Est-ce qu'il sera dans ma bibliothèque de jeux? Ça c'est pas sûr. <laughs> on se cotise si tu veux pour te l'offrir. Oh non non non, faites pas ça, surtout pas. <laughs> c'est <coughs> okay. partenari... ton partenariat en tant gaming qui va qui va morfler là. Oh bah, tu sais déjà qu'ils m'ont ils m'ont rétrogradé en tant qu'affilié plutôt que partenariat. Enfin bref, c'est la chose, oui, ça, on s'en fout. Alors Linkin, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, visuellement de ce tracé de 5 ,380 km 380 que les pilotes ont parcouru à parcourir 57 fois ce week-end Juste tracé, moi, je te pose juste la question du tracé, pas, euh, pas ce qui s'est passé, juste tracé. Ben, je suis un peu du même avis qu'Angel. Pour la un peu bonne raison, en fait. Ouais, c'est sûr que c'est un peu, un, peu un, un même style de concept que Varine. Et puis, euh, personnellement, euh, c'est très plat, c'était pas trop... Euh... Oh non, 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 je confirme que c'est pas plat du tout en fait. Les virages, certains étaient incurvés un peu en, en banking. Hein. Ah. T'avais Mais, mais ouais, ils, voilà. étaient lé... ils étaient légers les banking. Hein. Il y avait ah, peut-être 1 oui. ou 2 degrés ou ouais, 3 degrés d'inclinaison, pas plus. Hein. J'avais clairement pas l'impression. Je suis un peu sur la oh, même non. avis que j'ai l'impression. Ouais, bah, de toute façon. Je pense que personnellement, je verrais mieux voir le Qatar qu'un qu circuit. Euh... Euh, tu vois, où c'est difficile de doubler. Alors, dites ah. tout ce que vous en avez pensé, là, dans le chat du Qatar. Il y a bah Captain Néné. tiens, Néni... bah tiens on, va, on va faire tout simple, on va faire un sondage. Euh... C'est en faire. Il y a, y a, y a Captain Cap qui dit Les vibreurs ont été des massacreurs à fond plat. Effectivement, ah, Charles, ouais, Leclerc a vais... vu son... Charles Leclerc a vu son fond plat fissuré à la fin de la qualification, ce qui ne lui a pas permis de passer en Q3, d'ailleurs. J'aurais bien vu les balles euh... couper en deux, quoi, tiens. Euh, Gide de maison qui dit sympa ce circuit sauf les crevaisons, une véritable mascarade. Oui, oui on en parlera des crevaisons des pneus Pirelli également. Hein, hein de, il est où ton gilet jaune, Linkin, s'il te plaît euh, Je crois qu'il euh, ouais, qu est peut-être là-dedans. Il là. Faut, que, faut que je revérifie. <laughs> bon, t'as encore le temps avant de le mettre pour parler de, de Pirelli. Euh, et euh, Captain Nene qui dit « La date du GP du Qatar a été arrangée pour que ce soit à un an pile de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Bah oui, effectivement, puisqu'ils se sont présentés avec la Coupe du Monde. Et, et Captain Nene qui rajoute « Le jeu de la lumière à la fin de la course n'est pas Bahreïn. » Lol. Oui, c'est vrai, il était beau le jeu de lumière à la fin quand même. Hein. Oui, sauf que tout le monde euh... est resté un peu con parce qu'ils se sont retrouvés dans le noir. Mario Isola en PLS. Oui, effectivement. Non, mais c'était cool, vous savez, qu'en MotoGP, il y a le même jeu de lumière. Ouais, c'était cool, mais je crois que les, les pilotes et puis le, tout le staff F1 était pas prêt. Quand ça s'est éteint, ils se sont demandé ce qui se passait. Euh, <laughs> Julien Febro et Jacques Villeneuve, ils ont bloqué un peu au moment où ça s'est passé. Je ne sais pas si vous avez fait attention euh, dans les commentaires, mais euh, moi je les non, ai non. trouvés un petit peu perturbés. Et puis finalement, ils s'en sont remis. Non, mais vous inquiétez pas. En fait, ils n'ont pas payé la facture EDF. Ouais, c'est ça. <laughs> bon, allez les gars, on est <laughs> oh, Bah Déjà déjà que l'éclairage qu'ils avaient mis euh, à Singapour, euh, quand ils ont euh, parlé de ce grand prix en 2008, euh, il avait coûté pas loin de 4, 4 millions d'euros. Hein, quand même, hein, ce qui est quand même déjà pas en, rien. En... Ouais, mais quand tu fais un grand prix de nuit, il faut que la visibilité des pilotes soit impeccable. Tu peux pas jouer avec la visibilité des pilotes. Ouais, ça, c'est clair. <coughs> euh, voilà. Et puis, bah, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va parler de l'info de la semaine. Est-ce que tu peux Et nous merci, mettre le line-up de Atlantis, pour le sub. Merci, Atlantis, pour le sub. Eh ben non, on va très, très bien. Et toi, Atlantis, dis-nous comment tu vas. On a envie de savoir. Angers, si tu pouvais me mettre oui. tout de suite le line-up 2022, s'il te plaît, Six on par va parler... De l'information de la semaine, c'est que vous le voyez, tous les baquets en mmh. F1 sont pris. Voilà, il n'y a plus un seul baquet de disponible avec cette petite gueule d'ange à votre droite. Euh, euh, tout le monde a pris sa place. <laughs> tout le monde veut prendre sa place. Non, tout le monde convoitait sa place, c'est pas pareil. Voilà, et donc vous avez la grille 2022 de Formule 1 qui est complètement dessinée donc avec Hamilton et Russell chez Mercedes. Verstappen et Perez chez Red Bull, Norris et Ricciardo de nouveau alignés chez euh, McLaren, Vettel et Stroll de nouveau alignés chez Aston Martin, Ocon et Alonso de nouveau alignés chez Alpine, Leclerc et Sainz de nouveau alignés chez Ferrari, Gasly et Tsunoda de nouveau alignés chez Tori. Bottas du coup, qui, qui euh, chez Alfa Romeo on change tout, et on met Bottas et Zou, qui apporte et Joe pardon on dit Guanyu Joe <laughs> pardon il apporte 30 millions dans la valise le garçon donc oh, euh, comme... voilà pardon après chez As on garde le duo Mazepin Schumacher le danger public versus le fils à papa et enfin <laughs> chez Williams on remet Alexander Albon pour remplacer George Russell et on et on garde Nicolas Latifi ah, les, les trois bah, écuries en bas à droite, c'est un peu le Toyang des Bermudes, non Lesquelles Alpha bah, euh, Romeo, Alpha a. Williams et Williams. Je... Oh la vache. <laughs> Putain, ils me font peur là, les... la triplette, là. <laughs> euh, ouais. Voilà. Donc, en tout cas, parmi toutes les écuries, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui gardent leur line-up inchangé pour la saison 2021. Il n'y a que chez Mercedes, on a changé un élément. Chez Alpha, on a changé les deux éléments. Et chez Williams, on a changé un des deux puisque Russell est parti. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'arrivée de Guanyuzo euh, Guan euh, bah, Guan euh, Bon, on ne va pas dire qu'il mérite pas sa place. Bien sûr qu'il mérite sa place. Maintenant, j'aurais préféré voir un Théo pour cher. Mais... On rappelle... On rappelle... Parle excuse-moi, je te coupe pour juste te dire. On rappelle que pour l'instant, Guanyu Zhou est deuxième du championnat de F2. Hein, il est encore en lice mathématiquement pour remporter le titre. Ouais. Et on rappelle que celui qui remporte le titre en F2 ne peut pas redoubler. Donc, est-ce que ce serait pas l'occasion, par exemple, pour Piastri de lâcher la F2 Parce que si gagne la F2, Piastri peut parvenir. Pour Cher, c'est la même chose. Donc, est-ce que ce ne serait pas le moment pour eux de lâcher et C'est bête à dire et c'est nul à dire, mais de... De, 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 de laisser gagner Zou, en fait, pour être sûr de pouvoir refaire une saison ouais, Sachant ouais, qu'on ouais, rappelle oui. que Théo va valider sa super licence, puisqu'il aura les 40 points nécessaires. Et surtout, il lui faut le permis de conduire maintenant. Sachez qu'il a obtenu son code, Théo pour cher, you en you. ayant fait seulement quatre fautes sur les cinq euh, exigées. Ah oui. Maximum. Il a, il a loupé de peu quand même. Hein. Mais non, il a le code. Ouais, fin, il l'a eu, mais ça s'est joué de peu. 4 hein. fautes sur 5. Euh... Bah ouais, mais il l'a. C'est le principal. Maintenant, il peut s'atteler à la conduite. Il bah, y, a, y, a bon. y a 40 questions sur un code. Il faut maximum 5 fautes. C'est ça. Il faut minimum 35 points pour l'avoir. Le code. Voilà. Exactement. Euh, bon, bah tiens d'ailleurs, bah on parlait de, de notre cher Théo Pourchère, là justement, du fait qu'il n'a pas pu avoir le baquet euh, chez Alpha. Euh, Julien Fébron en a parlé sur le, le dernier rendez-vous au premier virage, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Oui. Mais, et, mais justement, il disait que ça serait que euh, partie remise pour le français, parce que justement, comme étant donné qu'il n'a pas son permis et qu'aussi, bah, il faut qu'il arrive à réussir réussira quand même à gagner le championnat de F2, et bah là, euh, ça lui serait euh, peut-être davantage bénéfique. Mais en tout cas, ce qui ouais, est bien, c'est qu'on va, pouvoir... va peut-être pouvoir le voir sur des séances d'essai libres aussi en F1. Ça serait bien. La saison prochaine. Ouais, ou alors il peut faire, ou alors euh, il peut battre au fourchard. Bah oui, mais lui, oui, euh, non, mais euh, il, fait, fait, il fait vous part... savez que l'année prochaine, ça fait partie des nouvelles règles de la F1 en 2022, il faudra faire piloter au moins deux fois un jeune, un rookie. Oui. Alors, pa... Alors, quand on parle de rookie d'ailleurs, ils ont défini le rookie comme une personne ayant couru aucun GP de Formule 1 ou jusqu'à deux GP de Formule 1 maximum. Ça veut dire que Aitken, il est considéré encore comme un rookie. Euh, Enzo, euh, Pietro Fittipaldi qui a remplacé euh, ouais, Romain bonjour. Grosjean aussi serait considéré comme un rookie, il a fait que deux grands prix. Vous voyez? Par mmh. contre, Kubica... Il serait plus considéré comme un rookie, puisqu'il a fait plus que deux grands prix. Bah, alors, non, bah, tu as vu déjà la, la première carrière qu'il a eue. Hein. Euh, Captain Nené, il paraît que c'est un crack, Piastri. C'est que c'est un crack. D'ailleurs, sachez que Piastri, il est managé par euh, l'Australien euh, Mark Webber, ancien pilote de Formule 1. Uh -huh. Et Piastri fait partie de la filière Alpi. Donc, il pourrait être le successeur soit d'Alonso, soit de Ocon dans un futur proche. Ou Un petit peu plus lointain, hein. ouais, voilà. Ou alors, ou alors, euh, ou alors, alors, alors peut-être, ou alors, peut-être, ou je... parce qu'il a plus de départ en grand prix. Voilà, Alonso, il était pas un rookie. Et sachez d'ailleurs que George Russell, au soir de la fin de la saison, va sauter directement dans la Mercedes la semaine suivante pour aller faire euh, les essais de fin de saison chez Merco. Bah ouais, tu Et m'étonnes. Et Bottas, lui, va sauter dans l'Alfa Romeo. Bah non, mais il a déjà commencé à s'entraîner ce week-end. Ah <laughs> oui, on en reparle. Euh... Voilà. Mais par contre, justement, là, j'y reviens. Euh, parce que si tu dis que Piastri pourrait être le successeur d'Ocon de... ou d'Alonso pour, les, pour les, les transferts. Alors, j'ai dit euh... ça, mais. Je te ça parce qu'il était de la filière alpine, attention. Si oui. hein. une, une autre écurie veut le recruter, elle a le droit. Oui, si. Ben justement, c'est ben un peu, tu vois, c'est le cas de figure qu'on en parle depuis euh, un certain nombre là de The ce Debrief, c'est euh, par rapport à Gasly. Parce que Gasly, nous on attend tous qu'une qu autre écurie au-delà de Red Bull vienne le chercher pour euh, qu'il pilote euh, autre part. Parce qu'il... Euh, L'Alpha Tauri, pour lui aujourd'hui, eh ben, on, 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 le, on le sait, on l'a insistamment répété, elle est beaucoup trop elle est, euh, il est beaucoup trop performant pour ça. Ouais, alors par contre, la question que vous vous posez certainement, c'est donc que va faire Giovinazzi, du coup, qui est débarqué de chez Alpha Bah, de l'AFE. Il va faire des voitures Viens télécommandées. LinkedIn. Viens figurez-vous qu'il a retrouvé une place chez Dragon, chez Dragon Pensky pour la saison prochaine en formule électrique. Il va d'ailleurs faire les tests. Au Mois de décembre, là, juste après Abu Dhabi, va aller faire les tests en FE à Valencia sur le circuit Ricciardo Tormo. Donc, euh... donc bah. voilà. Euh, euh, Albon aura-t-il le silence. droit de participer aux essais d'Abu Dhabi et Williams Alors, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas si dans ce cas de figure, Albon aura le droit. Je pense que oui, oui, même s'il a fait 40 grands prix. Parce que, en fait, euh, Captain Néné, là j'ai donné la définition de ce que serait un rookie pour faire les séances d'essai en 2022. Pas fin 2021. Fin 2021, j'en sais rien. D'accord oui. Donc, euh, mais en tout cas, en 2022, pour pouvoir faire une séance d'essai, il faudra être rookie, c'est-à-dire soit n'avoir couru aucun grand prix, un grand prix ou deux grands prix. Mmh. Ça veut dire que le choix des pilotes d'essai. Euh, des troisièmes pilotes ou des pilotes de développement appelez-les comme vous voulez euh, il va être très important et surtout le choix des jeunes pilotes bon chez AlphaTauri chez Red Bull on a à peu près une idée qui pourrait monter dedans pour faire ces tests ce serait genre euh, Yuri Vips euh, ou il euh, y en a plein qui pourraient monter dedans hein, qui ont des voitures aux couleurs Red Bull qui pourraient monter dedans t'as Yuri Vips as plein t'as plein d'autres gens voilà. Bon, ça, voilà. Ça, c'était les infos du paddock. Une fois qu'on a dit ça, monsieur, on peut commencer le week-end de F1. Ah, pardon. On, oui. peut commencer à... on peut commencer à faire vroom vroom. C'est pas faux. Allez, c'est parti. Voici donc les résultats de la première séance d'essai livre. <laughs> Avec euh, donc cette première séance d'essai d'une heure, qui était au soleil euh, levant, pas au soleil couchant. Séance de jour. Max Verstappen euh, devant Pierre Gasly et Valtteri Bottas. Hamilton qui était à 7 dixièmes. Mais alors, on va expliquer cette contre-performance parce que vous n'étiez peut-être pas au courant. Moi, je l'ai appris euh, au courant du week-end. Mais figurez-vous que Lewis Hamilton est arrivé malade à Los Ailes, au Qatar. Il avait quoi On ne sait pas. En tout cas, ah. pas le Covid, puisqu'il a pu monter dans la voiture. Mais il était malade. Il était affaibli le vendredi déjà. Et en mais fait il est affaibli, affaibli, fait il... le quatrième temps ouais non mais c'est bon enfin je veux dire il, il, était, affaibli, il a été affa... non mais il a été affaibli du mercredi au vendredi en tout cas malade ouais ça sent la fait, bonne ça, gastron, ça et en fait ça s'est arrangé le samedi <laughs> et je dis des qui disent troll ça devient dramatique <laughs> Stroll ben bah, c'est Stroll quoi je veux dire bon c'est Strollesque hein qu'est-ce que c'est euh, c'est une catastrophe euh, voilà. Et puis, bah, on voyait déjà les Alphatori en forme. Mais c'est très trompeur. Parce que quand on va voir le résultat de la course, c'est très trompeur. Ils avaient beaucoup de rythme dans les séances d'essai et en qualif. Mais alors, en course, il n'y avait rien, rien, rien. Voilà. Ça, c'est le classement de la première séance d'essai libre. Euh, qui n'a pas été interrompue au drapeau rouge. Cette première séance. Par contre, la deuxième, il me semble que. Non, c'est la troisième, c'est le début de la troisième séance qui a été interrompue au drapeau rouge. C'est Nikita Mazepin qui a eu un problème de moteur d'ailleurs. Euh, voilà. C'est pas très Bon, euh, rien, à dire rien à dire sur ce résultat de première séance. Hein ah bah non, enfin, euh... Euh, bon, Pierre Gasly, euh, il s'est encore bien illustré, mais. Ah, c'est Pierre quoi, je veux dire. Il, il gère de main de maître son Alphatori, on l'a déjà dit en long, en large et en travers toute la saison. On va pas revenir là-dessus encore une fois, mais voilà, il fait le job, quoi. Mmh, mmh. On passe à la deuxième séance d'essai. Euh, att attends, Val, ah, tu, tu... Pardon, <laughs> excuse-moi, LinkedIn, est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport à cette première séance Pardon, ah, tu bah, as raison. Ouais, euh, je suis euh, vachement choqué, c'est par rapport aux deux McLaren. Très clairement, ah, quelle, dit, 10, soir, tu, ouais, 10, oui, 10, 10 et 11. Ouais, 10 et pour moi. Ah ouais, 11 ah Ouais, très clairement. Pour moi, déjà... Tu... pour moi déjà elles auraient dû être au moins minimum oui, dans regarde. les. Elles auraient dû être normalement 5 et 6, Parce que. Ouais, mais re ouais. regarde à combien elles sont des Ferrari. Elles sont pas loin en soi. Elles sont qu'à 4, di uh, 4 di uh, pardon, à 4 dixièmes et à 4 dixièmes et cinq c'est pas si loin. Honnêtement, euh, je hey. me serais plus posé des questions sur Fernando Alonso. Hein, si on s'arrête ouais, sur la conversion donc... des libre ah ouais, Alonso, seulement 17ème de la séance. Alors, sachez quand même, je vous ai pas rappelé, mais que deux pilotes connaissaient déjà le circuit pour y avoir roulé dans des catégories inférieures. Alors, euh, euh, Linkin, dit rien, tu les connais Angel, à ton avis, quels sont les deux pilotes sur les 20, là, qui connaissaient déjà le circuit Ne dis rien, Linkin, s'il te plaît. Bah, je dirais Alonso et Raikkonen. Non, ah bon, bah, non aucun des deux. Euh, bah, Mathieu, ah, je vais te les donner. Mazepin et Perez. Oh putain, ah, d'accord. Bah Matt Zepin, on voit qu'il a déjà piloté sur circuit, et ça se voit haste. <laughs> Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Pff, De toute façon, tu le mettrais même dans une Mercedes, il serait dernier. Pas sûr. Bon. Pas sûr. C'est une chèvre. <laughs> on fait le test Ouais, ouais. Franchement, je voudrais bah, bien. Excuse-moi, tu le mets, tu le mets à côté de. Tu sais, tu le mets, tu mets euh, Matt Zepin en comparatif avec Badoer. Bah alors là, euh, c'est. C'est assez faillant, oh, hein, c'est équitable. Ça va, tac les. Eh, pas, oh, ça sert à rien. Bon, bon deuxième, séance, deuxième séance d'essai, Angel. Allez. Avec le, le, donc la première place de et Bottas, Gasly bien ancré à sa deuxième place, et Verstappen qui prenait déjà 3 dixièmes et demi, c'est ça Parce que j'arrive pas à lire concrètement l'écart, c'est ça, 3 dixièmes et demi. Pour Max Verstappen, Norris était cinquième, du coup, tiens. Et Ricardo, seulement quatorzième. Mais regardez les écarts, comment c'était serré du premier au quatorzième, il y a à peine une seconde. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il faut retenir de la deuxième séance c'est que c'est serré. Ouais. Et que Nikita Mazepin a fait zéro temps, puisque on a dû changer son. Euh... Je euh... oh, crois que c'est Power Unit. Euh, je, euh, non, c'est le châssis qui a été changé. Pardon, c'est ah. surtout que je lisais le, le commentaire de Rome. Alors, non, en fait, on se trompe pas. Vous pouvez le dire Loseil parce que justement, la question de la prononciation du, du nom du circuit s'est posée. Soit c'est soit c'est Loseil. Euh, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. La F1 n'a pas fait d'erreur en soi. Voilà, euh... Pff, bof. Bah, on commençait déjà vers le début de la fin pour Sergio Pérez en deuxième séance, en seulement huitième, quand même. Ouais. Mais Après, euh, voilà. les, les alpines qui étaient toujours pas là. Hein, mais... ouais, je, non, vois, je, alors, re... je me, suis... je je me, me refais suis... là, le, le, le triptyque du week-end en voyant les résultats des alpines euh, quand je vois ce qu'a fait Alonso et Caïfle, je me dis, il s'est passé quelque chose. Bah ils ont peut-être mis le doigt sur quelque chose entre EL2 et EL3 euh, et la Cali. Ils ont le doigt dans quelque chose et du coup ils ont... <laughs> les doigts, <j> ai <laughs> <pas> les... <laughs> mais non. Mais non. Euh, si, si. si tu n'as si, pas si. le droit. Ah bah tu n'as si. pas le droit. Tu pas le droit. Tu n'as pas le droit. Je peux, je peux. Pas, pas à 21h57, tu pas le droit. Car Toto, il le montre en plus. Les doigts. <laughs> <laughs> euh, euh, <coughs> pardon, euh, et donc on passe à la journée du. Alors, non, point technique, point technique maintenant, parce que c'est là que va intervenir notre ami Linkin. Vous Attention, avez vu que. La DDE est en force. <laughs> Vous avez vu. Non, mais attends, je peux faire mon job, s'il te plaît. Ah, pardon, excusez-moi, aviez... monsieur. <laughs> Vous avez vu que la Red Bull a eu certes des problèmes d'aileron arrière, notamment au niveau du flap supérieur. Linkin, c'est l'objet de ton point technique, est-ce que tu peux nous en parler, Angel Foto. Merci. Vas-y Linkin, c'est à toi. Alors alors, pour commencer, en fait ce qui s'est passé, c'est que euh, déjà j'avais montré quelques images montrant un peu comment euh, était le becquet de la de la Red Bull euh, et puis du coup ce qui s'est passé c'est que ils ont déjà d'abord en première chose davantage incliné le la partie du dessous pour euh, tout en respectant le la comment dire tu la la dimension des 85 mm Puisque on avait eu euh, cette polémique, évidemment, au Brésil. Ouais, on vous en a parlé d'ailleurs. C'est dommage, on n'a pas récupéré les photos, Angel, mais je ne vais pas te demander de les faire, mais on aurait pu vous remontrer les photos de l'appareil de mesure. On les avait montrées, mais comme ça a coupé toutes les 30 secondes, vous n'avez peut-être pas très bien vu l'appareil de mesure, mais on On, bah, le, on revenir. le fera pour le prochain débrief. Voilà. Ouais, comme ça, au moins, ça. tout le monde sera content. Alors, et du coup, ce qui se passe, c'est on a eu... Euh, alors. L'aileron arrière à pleine vitesse avait tendance à faire des battements d'ailes au lieu du haut vers le bas comme on avait pu le voir à coup mais plutôt de gauche à droite. Et à ce moment-là, il s'est reposé à nouveau les mêmes questions concernant la fameuse conformité de ces fameux. de... de en tout cas de ces ailes. Alors du coup, t as encore mis des. ça a encore mis un peu du... Du sel. Euh, voilà, du, du, du sel un peu dans le. dans, dans les épinards. Et alors malheureusement, eh ben, ça a encore fait des. Et ça a provoqué encore des clashs notamment entre notre cher Toto Brado dans le plâtre et Christian Horner. D'ailleurs je me demande comment ils ont fait pour ne pas se taper dessus après. Et à cause de ça, bah ben, malheureusement, bah ben, eu n'y a pas eu, eu d'enquête. Il n'y a, y a pas eu de... notamment de sanctions à ce point-là. Alors vous justement je vais vous poser la, la question euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, justement du fait qu'on n'ait pas eu de que, que la polémique s'est très vite arrêtée et que euh, on n'est pas euh, davantage euh, enquêté auprès d'AFIA? Linkin je vais te répondre tout simplement parce qu'on n'était pas encore sous le régime du parc fermé. Après on est sous le régime du parc fermé, je vous le rappelle dès qu'on sort des stands en Q1. Donc Red Bull avait tout le loisir de réparer. D'accord Donc, ça, déjà, c'est quelque chose à prendre en compte. Ok. Angel euh... Vous pouvez répéter la question <laughs> En fait, on, fa en fait, en fait, on s'est posé la. En fait, du coup, je me suis posé la question. Est-ce que, justement, parce qu'on sait que, déjà, à Bakou, quand il y avait eu. Euh, à Bakou et à Monaco, il y avait eu l'affaire des ailerons qui faisaient des, des battements d'ailes. Là, on a eu un peu, entre guillemets, ce cas de figure. Comment ça se fait que là. On a, gardé, euh, on a laissé passer la polémique euh, un peu vite fait, alors qu'à Bakou et à Monaco, on en a fait tout un, tout un speech. Bah, Peut-être parce qu'ils se sont dit que ça va faire de l'acharnement sur les top teams qui sont en train de se disputer le titre. Ouais, c'est bien possible, mais donc… Euh... Non, mais en fait, ce que, ce que, en fait, Linky, je pense que tu t'as mal expliqué. En fait, ce qui se passait, c'est que quand la Red Bull ouvrait le DRS, voilà. En fait, quand elle ouvre le, le DRS, il y, a des, il y avait des battements d'ailes. Alors oui, mais c'était de bas vers le haut. Non, euh, de ga gauche à droite, gauche à droite. Non, de bas vers le haut. Si tu avais ah, bien regardé. Les... Euh... Si tu avais bien regardé les ralentis, c'est de bas <coughs> vers le haut justement. Alors des battements d'ailes, ça peut pas se faire de je gauche. Me de vous un oiseau quand il vole, il vole pas de gauche à droite. Linkin, oh il bat pas des ailes de gauche à droite. C'est ah, fait... pas rigolo C'est un poisson volant. Euh, je vous, juste pour une petite transition, je vous rappelle euh, les fameux outils de mesure qu'avait présenté LinkedIn. Ah, super Alors, voilà, donc vous voyez, en fait, ce, cet outil de mesure, Linkin va mieux vous l'expliquer. Moi, je vous le résume en quelques mots et Linkin va vous l'expliquer plus précisément. Vous voyez, ce, avec cet appareil, on mesure d'abord l'ouverture maximale de 85 mm, c'est-à-dire 8,5 cm au maximum. Ça veut dire que le diamètre. C'est ça, Linkin. Hein, le diamètre, quand on passe au niveau de l'aileron, c'est 8,5 cm ou 85 mm. Et on peut voir aussi la, la charge que prend l'aileron. C'est des Newtons, n'est-ce pas, Linkin Exactement. En fait, euh, si tu, euh, si tu vas un petit peu la, la vie, c'est que tu vois euh, ce qui se passe c'est que l'embout, le, en tout cas, bon, en tout cas le, le rond que tu as au bout du manomètre, en fait, il se, il se pousse, tu vois, un peu comme un vérin. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, tu, tu colles une certaine pression et cette pression est, est affichée en newton-mètre sur le petit écran. Et, et ça, ça va permet... Être euh... entre, une valeur, euh, entre deux valeurs, quoi. Ouais, oui, voilà. Donc en fait, je suppose qu'il y a une valeur minimale à, à respecter et que si elle n'est pas respectée, c'est une infraction technique et donc c'est une disqualification de la voiture. Bah, de toute, ouais. toute façon, Lewis Hamilton en a fait les frais au Brésil. Donc, euh... Lui, ce n'était pas une question de force, c'était une question d'écart entre les deux. Ouais. Était oui, voilà. L'écart les, 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 les en l'ouverture était euh, au-delà des 85 mm. Oui, réglementaire, effectivement. Oui, voilà, exactement. Ce que je veux dire, c'est que sur l'un de ces deux paramètres, et oui, ce n'était pas du tout dans la, dans, dans la, bonne, euh, dans la bonne fenêtre. Bon, euh, voilà, c'est la, la, voilà. la vie. Hein, euh, ouais, on, on a su après ce qui s'est passé. Euh... C'est ça. Voilà, bon tout ça pour vous dire qu'il euh, y a eu des problèmes avec l'aileron arrière, euh, pardon, je vais me rapprocher du micro, vous m'entendrez quand même un peu mieux. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu quand même des problèmes avec l'aileron arrière, mais que ça a été réparé au moment de la troisième séance d'essai. D'ailleurs on va regarder les résultats s'il te plaît Angel. Troisième séance d'essai libre avec donc Valtteri Bottas et Lewis Hamilton qui ont trusté les deux premières places avec un Hamilton qui était seulement à 78 millièmes de son coéquipier. Quand on connaît la suite, on se dit que c'est quand même terrible, et Max Verstappen avait toujours ce déficit de 3 dixièmes et demi. Il reprenait la combler. forme, le petit Lewis. Voilà. Et puis du coup, bah... Voilà, classement sensiblement... Euh, voilà, euh, le même. Et un hein, Nikita Mazepin, qui lui aussi a fait zéro tour en EL3, puisque problème de moteur en démarrant la séance... En voulant faire un essai de départ euh, sur il... la piste, et bah, euh, il, il s'est arrêté. Euh, il avait d'autres choses à faire, euh, Mazepin, ce week-end. Et... Il n'a pas duré très longtemps, d'ailleurs. Il a dû durer 3 ou 4 minutes, puisque les mécaniciens, d'ailleurs, avaient été autorisés à aller sur la piste récupérer la voiture de Mazépine. Ce qui était vraiment arrêté à, 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 la, à la sortie de la voie des stands, quoi. En fait. Mais sur la piste. Donc derrière la ligne blanche. Le pauvre Mick qui était sorti quand il a dû voir drap pour eux, j'ai dit eh merde, voilà. Euh, quelque chose à rajouter par rapport à cette troisième séance d'essai libre euh, Non, pas grand chose. Euh, ça par commence après, à se dessiner euh, par rapport à la course, quoi. Enfin... Alors, c'est fou comment euh, Tsunoda il a, il a dégringolé, parce que quand on le voit P5 en, en l 1 et puis là P10 en l 3 Ouais. Mais je vous, ai pas dit, je vous ai pas dit quelque chose. La première séance et la troisième séance étaient de jour. La deuxième séance était de nuit. D'accord C'est un peu comme Bahreïn en fait. C'est le même principe. Mmh, mmh, exact. Ouais, donc en vrai, voilà. la séance la plus probante aurait dû être la deuxième. C'est ça, voilà. Enfin, C'est celle d'ailleurs où les pilotes ont grandement travaillé sur la course, sur une piste qui était pleine de poussière et plein de sable. Et donc, après cette troisième séance de libre, messieurs, bah, il était temps de s'atteler aux qualifications, quand même. Hein. Parce que c'est pas tout ça, hein. Lewis Hamilton, il a beau de montrer un beau casque arc-en-ciel, mais il fallait quand même aller jusqu'au calife. On y va pour les califs Allez. Alors, Q1, euh, les éliminer les mêmes. Donc, les deux As, les deux Alphas et Nicolas Satifi. C'est George Russell qui est passé en Q2. En Q2, les éliminer, la surprise, c'était Pérez. Troll. Leclerc aussi éliminé. Ricardo éliminé. Et euh, Stroll et Russell, c'est plus conventionnel de les retrouver là. On est d'accord, hein Pérez éliminé en Q2, c'est une surprise, hein Ouais, alors ton micro, il a coupé. Du coup, on aurait dit que tu avais dit qu'il y avait Pétrole qui avait été éliminé, mais. Euh... Ah. On... on a eu le début de Pérez et la fin de Stroll, donc c'était rigolo. Mais effectivement, ah, euh, Pérez qui est tombé en Pérez Q2, en Perez qui est tombé en Q2 et Charles Leclerc qui est seulement treizième, ça fait, ça, ça donne à réfléchir. Hein. Et Ricardo, et Ricardo, et Ricardo hein, qui est loin 13e. de son coéquipier, très loin. Charles Leclerc ouais. qui se fait encore une fois de plus masterisé par euh, par Sainz. ça, ça la fout mal pour euh, Leclerc quand même. Hein. Et donc, vous voyez, le nouveau record de ce circuit de Losail au Qatar est détenu par Lewis Hamilton sur un tour rapide 1,20.8. C'est le seul qui a réussi à passer la barre de la minute 21 sur un tour. Pour, un, pour votre indication, une moto GP ici tourne en 1 minute 54. Vous imaginez par bah, contre, bien. la vitesse de la moto GP sur la grande ligne droite, elle peut monter jusqu'à 350, quand une F1 pouvait aller en qualification jusqu'à 320-325 km heure. Ça vous place quand même le truc. Mmh. Exactement. Euh, à mon avis, il y en a un qui ne va pas trop salut, être content. Ludo. Ah oui, salut Ludo. À mon avis, il y en a un qui ne va pas être très content par rapport à Pérez. Vous savez qui y a de, de, de qui je veux, je veux, je veux parler C'est Moumout ou c'est Gasly bah, bien sûr, t es, t es, bah, la première solution, hein. <laughs> le choix premier. Vous Marco parce que euh, il, il s'attend à, à, d'un pilote expérimenté qui soit régulièrement dans les euh, euh, toujours ouais, là, euh, est coll, collé à Verstappen, toujours en train de mettre euh, un, ouais, un peu de bordel un entre les mercos euh, comme ça. Ouais, mais un accident, ça peut arriver et on va lui excuser au vu de la course qu'il a fait. Ça, ça peut arriver, se rater. En qualification, c'est d'arriver à tout le monde, même bon. à Milton, parfois il s'est raté. Souvenez-vous, il s'était craché au Brésil il y a trois ans, ou il y a quatre ans d'ailleurs. Euh... 2017, ouais. Voilà, ça. Euh, ça peut arriver, ça peut arriver à tout le monde de se rater, hein. Ça pourrait même un jour arriver à Milton de se rater et d'aller en... et de finir en Q2, hein. Et puis ils ont eu beaucoup de mal à faire des tours propres euh, constants, les pilotes, euh, tout le week-end. Mais oui, parce qu'il y avait surtout beaucoup de trafic. Bah oui. C'est surtout ça. Et puis, la Q3, avec évidemment cette fin de Q3 folle, un drapeau jaune provoqué par Pierre Gasly, qui finalement classe son Alpha Tauri quatrième, mais qui a bien enquiquiné Verstappen et Bottas, à tel point, Angel, c'est la photo suivante, que euh, Verstappen et Bottas ont pris des pénalités sur la grille pour non-respect des drapeaux jaunes. Alors, Attention cours théorique. Quelle est la différence entre un simple drapeau jaune et un double drapeau jaune ben, Il qui... y en a un qui prend deux places et l'autre cinq places. Non. Ah oui. En pénalité, ça fait pas la même chose. C'est vrai. Il <laughs> y en a un qui a pris trois places, celui de droite. Il y en a un qui a pris cinq places, celui de gauche. <laughs> C'est vrai. Mais au-delà du fait des pénalités, en fait, réglementairement. Quand un simple drapeau jaune apparaît, tu dois être prêt à ralentir et à baisser significativement ta vitesse. D'accord. Ça, c'est le simple drapeau jaune. Le double drapeau jaune, tu dois significativement réduire ta vitesse et te préparer à t'arrêter, si besoin. Il faut que le pilote soit capable de passer de 300 km/h à, à quasiment zéro, quoi. Est-ce que je veux vous dire? C'est ça la différence entre le simple et le double drapeau jaune. Et souvenez-vous de cette règle, c'est la même qui avait pénalisé Hamilton euh, en Autriche l'an dernier. Euh, les panneaux lumineux ne comptent pas. C'est les drapeaux des commissaires qui font foi, d'accord Donc si un commissaire agite un drapeau jaune, il doit être respecté. Le drapeau entre guillemets est plus important que le panneau lumineux en bord de piste. Vous allez me demander, mais alors à quoi ça sert d'avoir des panneaux lumineux en bord de piste? Puisque le drapeau du commissaire est toujours supérieur euh, au puisque drapeau jeu... et au panneau lumineux. Eh ben en fait, ça sert que bah, des endroits du circuit ne peut pas y avoir forcément tout le temps des marshals, Et donc à cet endroit, il y a des panneaux lumineux. Qui d'ailleurs maintenant ont une réglementation euh, euh, égale aussi à la FIM, à la Fédération internationale de moto. Vous savez, ils ont fait des panneaux, euh, euh, voilà. Ah, c'était Monza, c'était pas. Oui, euh... Autriche 2020 ou Styrie 2020. Hamilton, il a pris une pénalité pour non-respect des drapeaux jaunes. D'ailleurs, la, la, souvenez-vous, la pénalité avait été décidée presque même sur la grille de départ, même du Grand Prix. On l'avait appris à 14h30 pour le Grand Prix à 15h. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais c'est si en Autriche, Hamilton avait été pénalisé. Euh, justement, c'est Red Bull qui avait fait appel de la décision, souvenez-vous, à l'époque. Donc voilà. Mais peut-être qu'en Italie aussi, il a été sanctionné. Je ne dis pas le contraire. Mais euh, voilà. Mais donc voilà. Voilà pourquoi à la différence de pénalité, parce qu'un simple drapeau jaune comme Bottas, euh, on doit... S'apprêter à baisser significativement sa vitesse, trois places, et un double drapeau jaune, on doit se préparer à s'arrêter. On doit baisser instantanément sa vitesse, et en plus, circonstance aggravante pour Verstappen, c'est qu'il a amélioré son chrono sous drapeau jaune. Et même. Ouais, ah ouais, donc là, forcément, ouais, ça pouvait pas passer. Et même, même s'il l'avait pas amélioré, la sentence aurait été la même. Parce que vous savez, en plus, on juge pas sur un secteur complet. Mais on juge sur ce qu'on appelle des mini-secteurs. D'accord Chaque grand secteur est composé de mini-secteurs. Et les commissaires ont accès au temps des mini-secteurs. Ils mmh. peuvent comparer, ils peuvent voir si le pilote a significativement réduit sa vitesse. Voilà. Est-ce que, mon... est que mon explication était claire Oui. oui Angèle Oui, oui, tout à fait. Merci. Et eh bien maintenant, c'est le moment de découvrir donc du coup la grille de départ avec les pénalités qui ont été appliquées. Alors là encore, on va parler de quelque chose. Vous voyez que Bottas est 6 et Verstappen 7. En fait, quand ils ont appliqué les pénalités, ils ont appliqué littéralement la pénalité, sans même se poser la question que Verstappen avait pris deux places de plus que Bottas. Normalement, Bottas aurait dû partir cinquième. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'effectivement, 3ème pl plus 3 places de pénalité, ça fait 6. Mais comme Verstappen reculait au 7ème rang. Euh... Euh... Euh, oui, c'est ça à Rome. Double drapeau jaune, c'est quand on agite deux drapeaux, deux drapeaux jaunes. Euh, effectivement, un simple drapeau jaune, c'est un seul drapeau. Voilà. J'ai bien aimé euh, sur la grille euh, Momo de Marco qui est venu parler à Pierre en lui disant. Euh... Mec, euh, si tu pouvais harponner la Mercedes qui sera sur ta gauche, t'hésites pas hein. Non, je pense qu'il lui a pas dit que ça. Il y a dû dire. La... A... si tu peux prendre l'avantage sur Hamilton, ce serait très bien et le retenir. Ah, ouais, bah et surtout oui. si pouvais... et surtout si tu pouvais éviter de gêner Verstappen, ce serait bien aussi. Ah ouais, il est allé... je pense pas qu'il est allé lui faire des encouragements amicaux, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, c'est la première ah. fois qu'un français est en première ligne depuis ça fait. Vous vous souvenez qui est... Quel est le dernier Français qui a fait une première ligne euh, C'était. Gros Gros euh... Non. Grosji Ouais, Romain Grosjean. Hongrie, je crois que c'était Hongrie 2012 ou Hongrie avec 2013. Sa Lotus ouais, avec la Lotus à l'époque. C'est Bizarre parce que je crois qu'en Italie en 2017, je crois, ou... De... Euh, ouais c'est ça, 2017, 2018. Non, Ocon était parti troisième de la deuxième ligne, était parti. Troll était parti deuxième à l'époque. Ah oui, ouais autant pour moi. Euh... J'ai de Hongrie 2012. J'ai peur de dire une connerie. Non mais, euh, mais... Ludo confirme ce que tu dis, un hein. gros Jean Hongrie 2012. Moi je sais que ouais, Ludo il a raison. Ouais, c'est ça. En fait, il avait fait un 1,21,366 quand le poleman de l'époque, Lewis Hamilton, avait fait un 1,20,953 à l'époque. Et à la fin de la course, Grosjean s'était classé troisième à 9 secondes de son coéquipier. Effectivement, merci Ludo d'avoir confirmé. J'avais lu la stat, mais entre, entre lire la stat et euh, la retenir, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, ça, c'était la. la... C'était la grille. Alors, non, parce que en MotoGP, bonne question, Rome. En MotoGP, quand il y a des drapeaux jaunes, les secteurs sont automatiquement annulés. Ce qui fait que les temps sont annulés par de facto. Normalement, la F1 a un même système d'annuler les chronos. Il pourrait le faire. Ça éviterait des pénalités ubuesques. Mais euh... Mais voilà. Mais bon, c'est un autre débat. Euh, on passe à la course, messieurs Oui. Allez, c'est parti. And oui, oui, moment calme, toi. <rire> <rire> oui, atten oui, attention, parce qu'en plus il y a le petit à côté, hein. Non, mais j'essaie de meubler en attendant que le résultat arrive. Ah non, mais tu mais veux le rigole. résultat tout de suite, d'accord Bon, allez, vas-y, on envoie le résultat. Allez, vas-y, on envoie le résultat parce qu'en même temps on va discuter de plein de pilotes. Euh, en commençant d'abord par la magnifique ah, mais as performance. T'as raison, comme ça on met une scène avec les résultats, comme ça je peux me gratter le nez tranquillement pendant que... <laughs> on lève la scène alors <laughs> J'ai dit le nez, hein, j'ai pas dit autre chose. <laughs> ah, après tu fais ce que tu veux, cela avec ne nous, nous regarde pas. <rire> <rire> Donc, euh, alors on va parler de manière générale du Grand Prix, notamment du, du, du Pirelli Gate une nouvelle fois. On rappelle que Pirelli avait apporté sa gamme de pneus la plus dure pour ce circuit, bah les C1, fait. les C2, les C3. Mais apparemment, ils étaient encore trop tendres, ces pneus. Alors, moi, j'ai lu quand même plusieurs versions. Notamment le fait que la Mercedes de Bottas, elle avait fait trop de tours sur ce qui était préconisé par Pirelli. Ouais. Notamment. Mmh. Alors, alors je dis pas que Pirelli n'est pas en tort, hein. d'accord mais si c'est le cas, il, il faudrait quand même que les écuries respectent un minimum ce que dit Pirelli et pas en faire qu'à leur tête, parce que je voilà comment ça se... parce que voilà comment ça se termine, parce que c'est bien de jeter de la pierre sur Pirelli. C'est vrai que les pneus Pirelli c'est de la merde, on est d'accord. Ben ça, hein on va pas refaire le débat là-dessus, mais je crois qu'on est d'accord ouais. sur le sujet. Ouais. Mais en même temps, si les pilotes et les écuries poussent trop sur ces pneus et leur en demandent trop en même temps, euh, les pneus vont lâcher, c'est physique. Il hein. y a je, rien Je de... vous pose une question aussi en même temps à vous, mes amis, et puis dans le chat. Mais non, alors Ludo, qui dit bah, si tu dois faire tes stratégies selon les conseils de Pirelli, tu t'arrêtes avec un sourd. Non, mais par exemple, il fallait faire deux arrêts au stand dans cette course. C'était ce qui était recommandé par Pirelli. Tu faisais medium, medium, hard, ou tu faisais soft, hard, hard, ou soft, medium, medium. Euh, regarde, par exemple, Hamilton qui a fait ses deux arrêts s'en est très bien sorti. Euh, Pérez qui a fait ses deux arrêts s'en est très bien sorti. Alors tu vas me dire, ouais, mais il y a les contre-exemples comme Alonso qui a fait un arrêt. Et. Euh... J'arrive, Je... <laughs> Angèle. Tu, tu vas poser la question après. Le contre-exemple, c'est Alonso qui, était, qui a fait un seul arrêt, c'est vrai. Ocon aussi, ils ont pris un risque ils auraient pu crever aussi. C'est ça le truc! Vas-y, pose ta question maintenant, Angel! Ah, je sais pas, euh, je viens de prendre un tac dans les gencives, là, j'ai un peu du mal à me relever. <rire> Mais <rire> bon, tu vas te du coup, euh, On parle des pneus, là, et des, des limites des pneus et tout ça. Est-ce qu'on mettrait pas sur le tapis le fait qu'il y ait eu beaucoup de voitures qui aient laissé des débris à force de râper leur front plat sur les vibreurs et que ça aurait pas créé des petites, euh, des petites fissures, des micro-coupures sur les pneus qui, qui justement les auraient fragilisés en plus? C'est possible, surtout que les pilotes passaient souvent sur les vibreurs, notamment avec les pneus. Parce qu'il y en avait beaucoup des débris en piste. Hein. Ouais, mais alors dans ces cas-là, puisqu'on le sait, pourquoi on ne fait pas intervenir la voiture de sécurité pour les nettoyer Ah ben bah ça, je te pose la question, parce qu'à un moment, il y a quand même eu de la... il y a quand même du grabuge il y a eu des morceaux qui traînaient sur la piste. Et ils n'ont pas, enfin même beaucoup de gravier, même. Bah, moi, c'est surtout au moment où Bottas, où Bottas crève. Voilà. Euh... On a de la chance, il laisse pas des débris, mais l'aileron, il racle! Bah, l'aileron, il racle, il y a des micro morceaux de, de carbone qui ont dû rester sur la piste. Il n'y a, a pas eu une sortie de piste, il y en a un qui a ramené un wagon de cailloux sur la piste aussi? Bah, c'est Bottas, justement! Bah, voilà, oui. Oui, j'étais <laughs> plus sûr, mais. Oui, si, voilà, justement, Bottas, il a ramené un faire. camion de gravier sur la piste, plus des morceaux de. de, de de carbone lié à son aileron qui tenait pas. D'ailleurs, à Londres, il était euh, on fire Tellement de il faisait d'étincelles Ah ouais, ouais, euh, c'était beau Mais Donc je me dis, euh, est-ce que justement, ça n'a pas joué sur la l'usure prématurée des pneus Ou peut-être pas prématurée, mais justement, comme ils étaient à, à jouer avec les Moi, limites d'usure des du pneus, que Moi, ça aurait justement déclenché ces, ces, ces crevaisons en chaîne alors, Alors, ça ne l'a pas fait chez toutes les écuries, hein. ça les a fait surtout chez les écuries à moteur euh, Mercedes. Bah, il y avait donc Bottas, les deux Williams et Norris. Ouais. Donc, des moteurs Mercedes. Voilà, donc. Euh... En fait, je vais te dire, Angel, je peux vraisemblablement pas répondre complètement à ta question. Non mais c'est une, une interrogation que ma... je me suis posée là maintenant. Hein, en fait. je me suis mais non mais t'as raison, elle est légitime et elle, elle, se pose, elle se pose. la question de savoir si, euh, comment dire, si c'est de la. Enfin... Ah, je sais pas, Linkin, t'en penses quoi, toi Linkin Ben en fait, je vais. Je... Euh, merci Val de tes euh, de, de ces bruits bien ce gros nu. C'est bon, pas bon. moi. C'est Angel. C encore, bah, bah désolé Val. Euh, Angel, tu vas passer dans le bêtisier euh, au replay. Bon bah <laughs> voilà, tu t'es mis dans le. <laughs> tu t'es mis dans la M, voilà. Voilà. Donc allez. allez du coup en fait, et eh ben je vais être relativement mesuré dans le sens où. Euh, c'est sûr qu'on avait beaucoup taclé Pirelli dans le sens, euh, puisqu'il y avait eu la, la polémique euh, de Baku qui avait euh, frappé euh, Verstappen et, et Stroll. Et pour ça, je me demande même si, euh, le, au niveau du package aérodynamique, en tout cas des réglages qui ont été apportés sur l'aéro, euh, n'ont pas aussi contribué un peu à une usure euh, prématurée, justement, des pneus. Et en, un peu entre guillemets aussi en surestimant un petit peu la, la, la quantité de tours préconisée. Ben non, en, fa en, en fait Valérie a tout à fait raison. Dans le chat, il dit euh, la piste était abrasive, c'est vrai. On rappelle que le revêtement n'a pas été refait depuis la création du circuit en 2004. Le, le, le revêtement il a 17 ans, il est mmh. très abrasif. Et puis, n'oublions pas, quand je vous ai présenté le circuit tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit Il y a sept virages qui sont à plus de 200 km/h sur un tour. Vous imaginez la contrainte qu'on met sur ces pneus, sur ce genre de circuit Elle est énorme. Les, les pneus passent quasiment euh, tout le temps en, appu quasiment en appui, hein soit d'un côté, soit de l'autre. En réalité, y a pas... sur ce circuit, il n'y a pas de temps mort. Ouais, ouais, non, mais c'est clair qu'il y a des enchaînements de virages dans tous les sens et euh, ça sollicite à mort le, le pneu. Et quand tu voyais les ralentis d'ailleurs des monoplaces, tu voyais à quel point le train avant et... travaillait et... c'était impressionnant. Alors non, J de maison, hein. les Italiens n'ont pas, euh, pas quitté la F1 complètement, il reste encore Pirelli. Bah ouais. Il restera encore euh, des puis, traces euh... italiennes, avec Alfa Tori et Ferrari également. Bon, il y aura plus d'Italiens en F1, puisque Antonio <laughs> Giovinazzi se casse. À moins qu'on fasse revenir Trulli. Hein. Non, 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 non. Après tout, on il va est, faire il un. Il est trop vieux, Trulli. Il va nous faire du Trouli Train. <laughs> ouais, non, non, mais euh, c'est bien. Il va aller livrer ses pizzas en voiture électrique. Ça va être bien. <laughs> Ou les canzones, n'oublie hein, pas. Et oui. Comme ça, il c est, est co-responsable. Tout ça, tout ça. Bien. Voilà. Alors, ça, c'était pour un aspect plutôt général. Et puis, du coup, la Tiffy qui abandonne et qui provoque la VSC. Hein, à deux tours de la fin. Alors moi, ça, j'adore la VSC à deux tours de la fin. Elle sert strictement à rien. Ah, oh, c'est pour dire qu'il euh... est sorti. Ah, oh, mais regardez, on a mis une VSC. Non, et... mais c'était pour dégager la voiture de latifier. Alors, je comprends qu'il y ait des commissaires qui interviennent. Mais dans ces cas-là, tu as des doubles drapeaux jaunes dans cette zone interdiction ah ouais. de dépasser et tu ralentis. Bah ouais. C'est ça, en fait. C'est juste ça. Puis de toute manière, il n'y avait plus d'enjeu. À part que justement, ça empêchait Hamilton de faire le meilleur tour en course. Ah, il s'était dit que bon, c'était l'heure de l'apéro. Euh, il avait. Voilà. Il voulait lâcher deux semaines des manettes et voilà. Il y avait un pastis à vider. C'est ça. Et du coup, euh, bon, bah, en choisir fait, entre. Se... En fait, ils se sont payés avec les 50 000 dollars de max. C'est ça, exactement. Du coup, ils se sont dit, <laughs> bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait On regarde là encore les 5 derniers tours ou on attaque l'apéro Bon, allez, apéro. Allez hop, comme ça on est. Tranquille. Mais un VSC, euh, laisse-les démerder, ils vont faire des tours du de circuit je... ralentis, ça je... va aller. Je... Je... Mais je vous rappelle que l'alcool là-bas, c'est, on n'en boit pas, hein. c'est interdit l'alcool, donc... Euh... Ah ouais, ouais, ouais. ouais les ouais. gens ne racontent que... <laughs> Bref. Euh... Voilà. Euh, sinon, quoi d'autre eh Écoutez, moi, je vois rien d'autre à évoquer, en tout cas en général, dans ce Grand Prix. le départ perf est... d'Alonso, ouais, Le départ. A été... Ouais, Pardon. le départ a été plutôt propre. Oh, même si ben, ben, Alonso a violemment fermé la porte à Verstappen euh, sur les extérieurs euh, au virage 2 Oui Verstappen a été obligé d'aller faire un petit tour à l'extérieur pour éviter le carton Au moins de mettre les deux, deux roues hors piste Ouais, bon il n'a pas pris de pénalité il euh, y a eu investigation mais ils n'ont pas retenu de mm. de sanctions, heureusement Faut, mm. faut, faut dire qu'aussi le, le GP dans son ensemble a quand même connu beaucoup de dépassements c'est ça aussi qu'il faut Mais retenir. Alors a... On voit ouais, bien, oui. c'est très, euh... ça, 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 ça a beaucoup bougé hein, sur les, pla... les différentes places parce que. Oui, d'ailleurs, les écuries étaient elles-mêmes étonnées hein, du fait qu'on puisse doubler aussi facilement. Ouais. Mais ben, ils l'ont bah, scalé d'ailleurs à Hamilton pendant la course. Au fait, euh, attention, on peut dépasser facilement. Alors, euh, Hamilton bah, s'est il... je... ouais. baladé pendant tout le ce. <laughs> Oui, il a géré son avance, il a fait sa petite courte pépère. Verstappen, de toute façon, il s'est dit bon, bah de toute façon, euh, je suis deuxième, euh, je pourrais pas aller chercher la win, on va pas les s'emmerder plus que ça. De toute manière, Yoss avait dit au micro de Canal+ que toute de toute manière, l'objectif, clairement, la deuxième place. Par contre, c'est ouais, Gasly la clair, déception. Non, ouais, c'est clair. Le pauvre. J'ai pas, pas compris ce qui, ce qui lui est arrivé. Euh, Je sais pas ce qui s'est passé. À qui, à qui, à qui, à qui les gars parlez Les deux, les deux Salfatori ont sombré. Elles n'avaient pas du tout de rythme. Et... Gasly l'a dit d'ailleurs au micro de voilà, canal dans le début. Ce que j'allais dire, ouais. dire à l'interview, il a dit Il était très déçu, euh, et très frustré de ne pas avoir de rythme du tout en course. Quoi. Et surtout, c'était pas le moment de faire une contre-performance pareille, parce que les deux Alpines sont dans les points et haut placés. Ah ouais, là ils ont pris cher. Là, ils ont pris un cinglant 25-0 et pour rattraper ça, ça va être compliqué. Bah deux pour rattraper ça, c'est un peu compliqué, ouais. À moins que Alpine fasse un zéro pointé à Jeddah. J'y crois pas, les masses. Et que marque peu de points à Abu Dhabi, mais je pense qu'Alpine. Euh, je ne voilà. crois pas des masses, parce qu'à mon avis, là, c'est des circuits sur lesquels les Alpines vont performer. Euh, on les avait déjà vus en forme euh, à Bahreïn, on les a vus en forme ici au Qatar. J'ai l'impression que ces conditions climatiques leur conviennent bien euh, aux Alpines. Donc, euh... Alors, Jeddah, ce sera une autre, euh, une autre paire de manches. D'ailleurs, vous nous direz à la fin, vous poserez <laughs> la question de qui a déjà testé Jeddah sur F1 2021. Personnellement, pas moi. J'ai absolument pas rallumé F1 2021 depuis. Euh... Ah si moi euh, ouais. je sais plus je l'ai je l'ai testé bah juste après l'installation de mises mise à jour euh... on en parle on... à la fin on en parle à la fin d'accord ouais. voilà euh, donc sinon euh, alors si vous voulez on va essayer de les prendre par bloc les écureuils, vous savez par duel donc dans le duel euh, Mercedes Red Bull avantage Red Bull sur ce Grand Prix qui a pris plus de points que Mercedes puisque Bottas a été contraint à l'abandon à cause de sa crevaison on l'a fait abandonner au 52e tour de ce Grand Prix pour préserver la mécanique. Bon, s'il faisait 25 kilomètres de plus, je pense que c'était pas très grave. Ouais, il bon. marquait pas de points quand même, donc bon. Ça leur permet de pouvoir changer notamment, par exemple, une boîte de vitesse, puisqu'il a abandonné, notamment, il pourra changer sa boîte à Jeddah. Euh... Voilà. Euh... Et puis, euh, du coup... On verra au classement des constructeurs, mais euh, c'est la belle opération de Red Bull qui revient, je crois, à 6 points ou à 4 points simplement de Mercedes à deux courses de la fin. Euh, les Aston, pareil, elles font quand même un bon résultat. Stroll 6 et euh, Vettel 10. Ça fait quand même des points pour Aston. Ah, Stroll qui marque, qui marque quand même de, de gros points, quoi. En gros, les, les gros points qu'il a, qu a marqués là ici euh, au... Euh... Au Qatar, c'est un peu les gros points qu'il avait perdus lors, euh, lors du GP de Bakou quand il avait, quand il avait crevé euh, et qu'il avait ouais. fini dans le mur. Et puis les Ferrari, les Fe... et puis après, effectivement, ça. Et si on parle du duel maintenant Ferrari-McLaren, et bien il tourne encore à l'avantage de Ferrari qui a donc marqué euh, 6-10 points contre seulement 2 pour McLaren. Ça fait donc 8 points d'écart. Et je pense que là, la troisième place, elle est assurée. Euh, pour euh, Ferrari il reste deux courses je les vois mal sombrer en deux courses les Ferrari non elles sont constantes hein, les Ferrari et elles ont progressé coup, tout au long de la saison la et euh, elles ont été constantes tout le long hein. j'allais poser la question j'allais vous poser la question est-ce que du coup c'est de bonne augure pour 2022 est-ce que Ferrari va pouvoir revenir dans le game pour se battre pour des wins peut-être pour un titre de champion du monde pour l'un des deux pilotes alors euh, je vais te dire très clairement, Valentin. Alors, un titre de champion du monde pour 2022, ça va être quand même compliqué parce que quand on a, un, quand tu vas voir que Mercedes a quand même Hamilton, as un Russell, t'as un, un Verstappen chez, euh, chez Red Bull qui, a, qui va être autant déterminé, un, un Pérez qui est constant, etc. Euh, ça va pas être, euh, ça va pas être simple. Mais Ferrari a prouvé en faisant quand même deux, deux belles pôles à Baku qu'ils qu étaient revenus dans le haut du classement. Ok, Angel. On a tout perdu. Qu'est-ce qui se passe non, non, on n'a rien perdu. On bah, t'a posé la question là. Euh... Est-ce que tu penses que Ferrari pourrait, euh, dès 2022, euh, euh, jouer euh, les, une victoire et euh, jouer les victoires et pourquoi pas le, le championnat du monde bah, euh, Disons que les cartes seront redistribuées pour tout le monde en 2022. Donc euh, vu que cette année ils ont été en constante progression, j'espère que ça va les amener en 2022 avec euh, une base stable et, et solide pour euh, pour pouvoir euh, aller taper du podium et puis euh, aller jouer un petit peu le le titre nos constructeur ça serait bien qu'ils ouais, reviennent aux avant-postes hein, les Ferrari mais on verra je te dis l'année prochaine toutes les cartes seront redistribuées je j'espère qu'on va avoir de bonnes surprises quand même après, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Non, non, non. Julien Febro l'avait dit notamment, faut pas s'attendre à ce que les As se reviennent en haut du plateau, quoi. Non, Genre, bah ça, si les pouvaient euh... être midfield, par exemple, ce serait pas mal. Non, mais je pense des écuries top team euh, comme Mercedes, Red Bull, euh, McLaren, Alpine, tu vois, ils pourraient être vachement plus proches. Et justement, euh, ça pourrait jouer. Euh... Bah, de toute manière, on le verra bien déjà non. dès les essais hivernaux. Hein, de toute manière, oui, qui sûr. a le mieux, négocié aussi, la réglementation 2022. Voilà. Après, sinon, pour le reste, bah, la lutte du fond de classement. Bon, qu'est-ce que vous voulez euh... Le fond de classement reste le fond de classement. Hein. Raikkonen, Giovinazzi, Schumacher, Russell, Mazepin. Hein. Euh... Qu'est-ce que vous voulez euh, Aucun ne marque des points, donc on reste pareil. Hein, zéro point pour As. Euh, 11 ou 12 points je crois 11, euh, 11 points pour euh, Alpha et 23 pour euh, pour Williams. ouais et c'est euh... et, 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 prend... et du coup dans le duel Aston Martin Alpha euh, pas Aston Martin Alpha Tori Alpine ça fait donc 25 points à l'avantage d'Alpine donc ça fait 141 à 116 du coup bah, on peut regarder le classement des pilotes et ouais. constructeurs si tu veux on peut si tu veux ça peut se faire. Donc voilà Il nous les permet deux. Permet de faire un bilan comptable. Donc euh, Hamilton est donc revenu à 8 points de Verstappen à deux courses de la fin. Euh, Perez revient à seulement 13 points de Valtteri Bottas. Il est encore en, en lice pour jouer la troisième place du championnat. Ce serait pas une mauvaise nouvelle hein, de voir Perez troisième du championnat. Ça serait cool. Sans Très ouais. cool. Euh, Norris et Leclerc se tirent toujours la bourre pour la, cin pour la cinquième place du championnat, un point d'écart à l'avantage de Norris. Et si Sainz euh... venait de faire les troubles faits et venait détrôner les deux là <laughs> ah, Ce serait terrible. Comme le cheveu sur la soupe. Ouais, il y a six points et demi d'écart entre Leclerc et Sainz. Ricardo est toujours et je pense restera huitième à moins que Gasly fasse des super courses jusqu'à la fin et qu'il dépasse Ricardo. Mais voilà. Et puis Alonso avec sa troisième place, et ben il compte plus que 15 points de retard sur, Fer... sur euh, Pierre Gasly. Ricardo c'est quand même chouette de le voir là hein, parce qu'il a quand même mal débuté sa saison. Hein. Ouais mais malheureusement il restera huitième quoi. Alors oui, qu'il devrait mais Il être aurait pu ne pas être dans le top 10 aussi. Ouais, mais en fait, ce qui l'avantage grandement, c'est sa victoire à Monza. Hein. Ouais, 25 clairement. points, mmh. il, serait, il serait à peine devant Fernando, hein, sans les 25 points de la victoire. Bon, Norris aurait 7 points de plus et il serait à 160 points, tu vois ce que je veux te dire Ouais, tout à fait. Bon, Norris, avec une victoire de plus, il serait euh, pas loin de Perez, donc euh, voilà. Et, tout est euh... possible, hein, vous le savez. Et sur cette lutte au, au championnat du monde des pilotes il euh, y avait euh, Canal, Plus pendant la grille, qui avait montré un joli diagramme. C'est dommage que j'aurais bien aimé le récupérer pour le montrer. Avec euh, l'historique des grands prix au fur et à mesure de la saison et l'échange de positions qui y a eu entre Hamilton et, Ver et Verstappen. Ah, c'est la, 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 la F1 qui a fait ce diagramme en lui-même. C'était fait... chouette. ouais, ouais mais c'était ça a été montré pendant la grille euh, sur Canal euh, dimanche. Oui, Ouais, et moi je crois que j'avais vu déjà au niveau des qualifications hum. il l'avait fait je crois au niveau des qualifs aussi ouais, je les ai pas vus les qualifs c'est pour ça il me semble et donc du côté des équipes donc je vous disais bonne opération de Red Bull qui revient à 5 petits points de Mercedes c'est pas fini hein, pour le classement du championnat du monde des constructeurs non c'est pas euh... fini 5 points d'écart à l'avantage de Mercedes Red Bull peut clairement revenir ah, de toute façon il va y avoir déjà une première balle de match euh, à Jeddah donc, Alors, euh... oui. Alors, d'ailleurs, Julien Fébro nous a donné les cas dans lesquels Max Verstappen pourrait être champion du monde. Alors, attendez, je vais vous retrouver ce tweet. Et donc, du coup, je te pour la Attends, sur... euh, attends, attends. Non, mais ça va être simple. De toute manière, il faut qu'il y ait au moins 26 points d'écart entre les deux. De toute manière. Euh, oh la vache. Ah, voilà. Si Hamilton gagne le GP d'Arabie Saoudite dans 15 jours en prenant le meilleur tour, le point du meilleur tour et que Verstappen finit deuxième, ils arriveront à égalité de points à Abu Dhabi. Et en revanche, si Verstappen inscrit 18 points de plus qu'Hamilton, il sera champion du monde dès le prochain GP. Voilà. Euh... C'est ça les quatre figures. C'est Autant points... dire que la deuxième solution, elle me semble compliquée. Il faudrait vraiment qu'Hamilton ait une défaillance. Bah, ça peut arriver, hein. Ça, ça peut Versailles arriver. une gagne le Grand Prix et Hamilton finisse... Euh... Combien ça fait, ça Sixième, septième mmh. Bah, en fait, par exemple, ça veut dire que si, euh, très clairement... Euh... Si Verstappen finit premier et donc Hamilton finit pas mieux que. Euh, donc 7 points, donc finit pas mieux que 6ème. S'il finit 7 ou moins bien, Verstappen gagne le, le championnat. Si Verstappen fait 25 points plus le meilleur tour en course, il faut pas que Lewis Hamilton se classe mieux que 6 D'accord euh, si Verstappen fait deuxième sans le meilleur tour, il faut que Hamilton soit onzième ou moins bien, c'est-à-dire qu'il marque zéro point. Et si Verstappen fait deuxième plus le meilleur tour en course, il ne faut pas que Hamilton marque plus d'un point, c'est-à-dire soit mieux que dixième. Donc euh, donc voilà. Mais hum. euh, ouais, faudrait il faudrait qu'il soit premier. Autre, autre, par contre, toute autre position de Verstappen euh, emmène le titre jusqu'à jusqu Abu Dhabi. Verstappen premier, Hamilton euh, sixième, ça nous fait Verstappen champion. Euh, Verst non, parce que, parce que 25 moins 8. D mais non, 25 moins 8, ça fait 17, d'accord. Il faut qu'à la fin de, du Grand Prix d'Abu Dhabi de, de, du, 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 de, de, de Jeddah en termes de points, il y ait 26 points d'écart. Là, t'en as 8. Donc il t'en faut 18 entre les deux au Grand Prix de, de Jeddah, d'accord ben, C'est ce que je dis. Le, la victoire, c'est 25 points. Ouais. Moins 18, ça fait 7 points. Il n'y a pas 7 points en Formule 1. C'est oh. soit 6, soit 8. C Donc C'est 6 ça c je, c si je dis... Hamilton finit... fait moins bien que 6e et que, que Verstappen... C'est ce que je dis, Valentin. Valentin, c'est ce que je dis. J'ai dit si, si Max Verstappen gagne et qu'Hamilton fait 6e ou 7e, Max est champion. C'est ce que je dis. Euh, non, 6e, il ne serait pas champion. C'est moins bien que 6e. C'est-à-dire 7e au minimum. Ah. Bah, de, toute façon, de, de toute façon, attendez, je, je, vais, quand même, euh, je vais vous intercaler entre les deux parce que sinon ça va être compliqué de vous arrêter. Mais euh, autant vous dire, il faudrait que euh, on ait un requête de figure comme on a eu à Monza en 2020. C'est-à-dire à Hamilton, ils se reprennent un style, un stop and go et puis que, que Maxi gagne. Et là, à ce moment-là, on a euh, tout à fait la... C'est pas sûr parce qu'en plus, effectivement, Ludo donne une bonne donnée dans l'équation. Apparemment, le moteur qui avait été monté à Jeddah n'est pas celui du Brésil. Bah de toute façon, Julien Febrault l'a dit, il... euh... Hamilton aura son moteur du Brésil pour Jeddah et pour euh, Abu Dhabi. C'est ça. Voilà, c'est ça, J De Maison. Et il faut compter le point du meilleur tour en course, hein, avec. Souvenez-vous. Mais non, Angel, la sixième place, c'est 8 points. La sixième place. Alors attends, le dixième, on est bien d'accord, il marque 1 point. Le neuvième, il marque 2 points. Il marque 2 points. Le huitième, il marque 4 points. points. Le trois... septième, il marque 6 points. Le, huit... le sixième, marque 8 points. Le cinquième, 10 points, Angel. Donc, 25 moins 8, chez moi, ça fait toujours 17. Donc, non, mathématiquement. À cette position, il faut que Lewis Hamilton termine septième ou moins bien que septième. Et oui, Angèle, le découpe de points, c'est comme ça: 25, 18, 15, 12, 18, 6, 4. Oui, 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 1, pas de et un point. Voilà. En fait. Effectivement, mais voyez c'est des calculs d'apothicaire Donc euh, en gros, souvenez-vous juste qu'il faut qu'Hamilton marque 18 points de plus que euh, que Verstappen marque 18 points de plus que Hamilton pour être titrable à Jeddah. C'est tout. Le reste, voilà. Et il si euh, et si Red Bull veut reprendre la tête du championnat à Mercedes, il faut que Red Bull marque 5 points de plus que Mercedes à Jeddah, au moins 5 points. Ouais, ça, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche, hein. c'est ça qui est intéressant sur, ce, sur cette ouais, saison. Et, il de va de façon, forcément on... y avoir des déçus, de toute manière. Ah bah ça c'est clair. Et du coup, je me suis gouré dans mon calcul, pardon, il y avait 112 points pour les deux écuries. Donc, euh, effectivement, avec 25 points de plus, ça fait 137 à 112, donc effectivement, break d'Alpine et sans doute un break gagnant. Alfa ne sera pas menacé par Aston Martin, hein, soyons clairs. Non, ça risque pas. Voilà, Aston Martin restera septième. C'est quand même dingue hein, pour une voiture copiée d'être septième. Oui, mais c'est le même bilan et même constat que l'année dernière. Voiture copiée, début d'année pas trop mal et puis finalement euh, ça évolue jamais donc pendant la saison. Mais... En fait, elle a jamais Elle a été compétitive au début quand il y a eu le scandale de la copie de la Mercedes. Et puis après, elle n'a jamais évolué, donc la voiture, elle a stagné, elle est descendue dans le classement petit à petit. Mmh, c'est ça. Voilà. Et donc après, pour la... et pour la lutte pour la 8 place, Williams la remportera sans grande surprise. À moins qu'Alpha fasse un résultat à Jeddah. On verra. Mais j'y crois pas des masses non plus. Non, donc euh, pour moi, c'est figé aussi en bas du classement. En fait, c'est quasiment figé partout, sauf tout en haut, en fait. Non, il y a vraiment oui. une belle bataille euh, en haut du, du, du classement et ça, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait justement... pas eu euh, des saisons où ça se battait jusqu'au bout. Oui. <laughs> Atlantis qui dit j'imagine Angel et Val dans un débat politique. Oh mon Dieu, planquez-vous, les calages sont sortis. Non, quand même pas. On se respecte trop, Atlantis, pour sortir les calages. Pas parce que j'ai sorti la barbe qu'il faut me prendre pour un bon quand même. Hein. <laughs> euh, le driver of the day Angel de ce grand prix bien sûr sans surprise c'est lui Fernando Alonso bah ouais, moi je vois pas qui rappelle... pouvait être d'autres euh... on rappelle que son dernier podium Angel remonte à Hongrie 2014 c'était il y a 7 hein. ans est-ce Est tellement... que vous vous souvenez de ceux qui étaient sur le podium de ce grand prix à part Fernando euh... J'ai vu ce... les images, mais je ne me rappelle plus honnêtement. Et qui est-ce que tu t'en souviens et Il y avait Ricciardo, Alonso et. Si euh... je, je me rappelle bien, je crois que c'était Rosberg. Non, c'était l'autre, c'était Hamilton. En fait, Ricciardo avait remporté le Grand Prix devant Alonso et Hamilton. Tout simplement. Voilà. Bon, ça va, j'étais pas trop loin du compte. <laughs> j'étais pas trop loin du compte, voilà. Donc effectivement, rien de surprenant que ce soit lui. Après, j'ai toujours du mal avec le driver of the day parce que c'est très subjectif. Mais effectivement, la course de Fernando est très belle. Non, il a, fait, euh... il a fait une belle qualif. Il a après, pris un bon Pérez... départ, il a tenu le coup tout le long. Après, Pérez aurait pu le mériter pour s'armonter aussi de 11e à 4e. Tu ah, vois, il a eu plus de mal. À... Il a plus de mal dans sa remontée, Pérez, je trouve. Mm. Après, euh, bah, Alonso, c'est dans la défense, hein. il a été bon. Euh... Linkin, est-ce que tu es d'accord avec le choix du driver of the day J'y vois aucune objection dans ce, dans ce truc-là, parce que Alonso, c'est le seul qui a réussi, entre guillemets, à attirer l'attention par rapport à sur ce dépassement, parce que, OK, il y en a plein, il y en a, y a, y a beaucoup, de, pratiquement tous les pilotes ont dépassé, mais ça n'a pas été aussi flagrant euh, que l'espagnol. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <laughs> euh, voilà. Eh ben, écoutez, alors, je vous avais dit, on va reparler de la note des abonnés de canal. 13,3 pour ce Grand Prix du Qatar. Combien vous auriez mis, vous, à la course du Qatar, messieurs on va, on va voir si notre moyenne correspond à la moyenne des <laughs> gens de canal. J'aurais mis, mis 11, 12, je sais pas. Difficile à dire. Alors, il m'en faut, faut une de note. Hein. Bon, les 12. Allez, 12, d'accord. Euh... Pardon, si je mets pas le... Voilà, c'est la calculatrice que je voulais. OK. Alors. 12. Plus. LinkedIn, t'aurais mis combien toi Euh. Ouais. Un douze Alors, on met pas les demi. Je te mets 13 alors Allez. Mais allez, 13, c'est très bien. Ouais, moi j'aurais mis à peu près la même note, hein. Euh... Ça fait donc 38 qu'on divise par 3. Euh, ça fait donc. Euh, non, ça ne fait pas 29,3. Ça fait donc 38 que je. Euh, oh, pas bah 0,38. Euh, 0,38. Qu'est-ce qu 30... que j'ai encore fait <laughs> 12,67. Non, pardon C'est que j'ai appuyé sur le bouton pourcentage de, ma, de la calculatrice du téléphone et donc on m'a transformé le 38 en 0,38. Ah, mais ça, c'est la malédiction, ça. <laughs> c'est ça c'est pire que les chiffres du diable. <laughs> voilà, donc nous, notre moyenne, c'est 12,67. Donc vous voyez qu'on n'est pas, pas loin quand même. Hein on n'est pas loin de la note des abonnés. Alors, pour Rome, ça vaut un 14. Pour Ludo, 12. Oui, El Chilinguito, on arrive à la fin. 11 pour J2 Maison. 14 pour El Chilinguito. <laughs> c'est ça, Ludo. On se croirait aux chiffres et aux lettres. Voilà. Voilà. Alors prochain, alors, prochain grand prix, messieurs, c'est le grand prix de Jeddah en Arabie Saoudite. Projetons-nous dans ce grand prix de Jeddah Alors, euh, c'est pas Star Wars. Hein. Je voulais faire un vieux jeu un vieux bruitage à la con, mais je me suis dit, ça va <laughs> ça encore faire mauvais genre. Ouais. Le problème, c'est qu'on va se faire niquer on va avoir des droits d'auteur encore ça va être terrible. Donc, euh... Pardon euh, bon, ça va, on a chanté 5 secondes. On a le droit à 5 secondes d'une œuvre hein, normalement. Oui, avant le droit j'ai parler par-dessus, ça va, ça passe. Ok. Euh, alors, euh, à part le retour du Jeddah, voilà, ça s'est fait. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu voit dans ce Grand Prix de Jeddah au Qatar Moi, je n'ai pas testé. <laughs> j'ai n'ai pas, <laughs> pas testé le circuit. Mais alors déjà, il y a 27 virages. Déjà ben, je vous invite à aller sur la chaîne de Nico hein, de F1GT Nico qui a fait le tour de Jeddah pour vous présenter le circuit euh, il l'a commenté, il, a, il vous a montré enfin il vous donne les astuces, les points de corde les points de freinage etc donc si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne sur la fin 2021 vous allez sur sa chaîne, vous allez voir le tour de Nico sur le Grand Prix de Jeddah et ben vous allez pas être déçu, moi personnellement euh, ce circuit je l'ai pas essayé et il Va me mange pas des masses, il me fait penser à la Thaïlande. Atlantis. Non, c'est Vietnam. Le Vietnam, pardon. Atlantis. val -Chewbacca. Mais quand. val <laughs> euh, Linkin, toi qui as testé Jeddah. Eh ouais, ben, faut pas se souper. Hein. Tu manques un virage, te, tu, tu rates le deuxième derrière. Surtout, t'es dans Et... le mur. Parce que les murs ont l'air très proches. Alors. Ça dépend les portions. Si tu prends, il y a une longue, longue ligne droite, les murs ont tendance un peu à s'élargir. Mais après, euh, quand tu arrives, après, tu as, 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 as franchement des freinages qui sont relativement bien violents. Donc, euh, j'ai envie de dire, hein, celui qui s'en sortira le mieux, c'est celui qui arrivera à avoir la pôle et. etc. C'est ça. Il euh, y a du Vietnam et du Valence dans ce circuit du Jedi, dit j maison. <laughs> Angèle, j'ai relayé ta question. Ah, Tiens, en qu'on en parle justement du mec qui ressemble de plus en plus à une chipo. Ah, es, C'est gentil pour lui. Non mais sans déconner, les gars, vous avez vu comment il a gonflé. <laughs> en plus, il met des, des smokings bien cintrés et tout. Euh, non, faut arrêter les conneries. <laughs> Mais il est classe, qu'est-ce que tu veux euh, Oui, mais enfin non, là, il est ridicule. Il faut faire quelque chose. Là. Soit il change la taille de ses fringues et il se rend compte qu'il a pris 50 kg, soit... Parce que là, c'est dommage. Et... Il... Enfin, il est ridicule, quoi. <laughs> et Suzuka aussi. <laughs> Est-ce que le moteur de Lewis va pouvoir faire la différence Bah oui, parce qu'il y a des longues lignes droites à Jeddah, mais il n'y aura qu'une zone de DRS, je crois, ou deux zones de DRS. Mais en même temps, ça va être un circuit où il va falloir mettre du rythme tout au long du tour. Il y a des courbes, des freinages, des... Alors, je pense que Verstappen et Red Bull seront pénalisés dans les lignes droites, mais dans les sections rapides, ils pourraient quand même faire quelque chose. Par contre, ce sera très difficile de doubler parce qu'il n'y a qu'une seule trajectoire. Mmh. Donc là, à trois zones de DRS sur le jeu, Rome, il y, a trois il y aura trois zones de DRS, tout simplement. Eh ben, J'ai pas vu encore la, ma la map du circuit, donc je peux pas vous dire. On euh, découvrira heures, dit... ça dans 15 jours. C'est euh... ça. Et dans trois semaines, le Grand Prix d'Abu Dhabi, ces changements de virage. Euh... Ouais. Voilà, ça va être drôle. Quand on pense que la saison de F1 va s'achever dans trois semaines. Mmh. D'ailleurs, ça fait penser au prochain rendez-vous de The Debrief, qui aura lieu le 6 euh... décembre au prochain. Ouais, le lundi 6 GP d'Arabie Saoudite, venez comme vous êtes. Hein. Pas de question de droit de l'homme ou de droit de tout ça, vous venez comme vous êtes. Hop. On sera présent, J'espère que vous aussi. Et puis j'espère je que... que toi aussi, tu seras là, Angel, hein, normalement. Oui, normalement, je serai là, oui. <laughs> Et en tout <laughs> cas, je le, je le dis comme ça, mais en tout cas, merci aux très viewers qui ont été relativement présents sur tout le long merci merci alors et oui par contre on peut parler d'autres choses effectivement Rome tu as raison de le souligner on va féliciter parce qu'on est dans un débrief mais ça ne nous empêche pas et on terminera là-dessus les autres disciplines on va féliciter Sébastien Ogier, effectivement pour son huitième titre de champion du monde des rallyes à à Monza voilà avec Julien ingracia son Ingracia, pardon, oui, parce qu'il y en a qui l'ont prononcé Ingracia, mais c'est Ingracia, on est bien d'accord C'est Julien Ingracia, Et... qui, Ingracia. Raccroche, qui raccroche d'ailleurs dans son rôle de copilote euh, bah, dès maintenant, à la fin de Monza, il a raccroché. Donc, euh, je crois qu'il va avoir un autre copilote, l'ami euh, Ogier. Oui, mais d'ailleurs, je crois qu'Ogier, il, il, il part après, je crois, en endurance, si je dis pas de blague. Il, il, pas, avait, ça, il avait prévu, je crois... Euh... Je ne suis pas encore très bien le WRC. Je vais peut-être essayer de, de m'y mettre l'année prochaine. En plus de me remettre un peu aussi sur l'IndyCar. J'ai regardé un peu la saison cette année, mais je voudrais m'y remettre l'année prochaine. En fait, je voudrais me mettre à, à, à plein de choses, mais le problème, c'est que j'ai passé mes samedis, mes vendredis, mes samedis, mes dimanches sur le canapé. <laughs> ah, il faut faire gaffe aux escars. <laughs> c'est ça! Voilà, mais en tout cas, euh, effectivement, on suivra ça avec grande attention. Et puis, dans deux semaines, retour de la F2, d'ailleurs à Jeddah. Hein. Ça, ça va être épique aussi la F2 à Jeddah. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, euh... Euh, on va se quitter là avec un petit raid sur une chaîne euh, d'un collègue. Euh, voilà, merci en tout cas. 1h30 de débrief. Voilà, exactement. <laughs> merci à tous d'avoir suivi euh, le live jusqu'ici. Et euh, bah en tout cas, euh, j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît toujours autant. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures et au prochain débrief, à donc dans 15 jours, le 6 décembre. Portez-vous bien. Salut à tous, ciao ciao. Ciao à tous.